j'ai grandi, j'ai commencé à côtoyer des garçons, je sentais en moi, il y avait deux sentiments forts qui étaient un peu contraires l'un à l'autre. Parce que je me rappelle quand je souffrais, un jour je souffrais à Kinshasa, j'ai demandé la mort et puis je suis allée prendre un arbre dans mes bras. J'ai embrassé cet arbre et je disais que cet arbre soit au moins ma mère parce que je sentais que la souffrance d'un enfant, c'est sa mère qui peut la comprendre. Quand j'avais atteint 4-5 ans, j'ai dû être abusée par notre domestique. Parce que mon père n'était pas là, maman était au travail et le domestique m'avait pris au lit. Vous imaginez un peu maintenant là que je suis une femme comme ça, je m'imagine qu'un domestique est en train de monter sur ma fille. C'est vraiment... Ça diminue, quelque part tu sens qu'il a dignité. Découvrez le nouveau monde de la vidéo numérique. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici à Berlin, à la gare centrale qu'on appelle Hauptbahnhof, l'une des plus grandes gares de l'Europe, ou alors la plus grande de l'Europe. Nous venons ici attendre Madame Bénédicte Gongo, qui arrive tout de suite pour nous raconter son histoire en live. C'est une histoire qu'elle a vécue, elle a été battue, maltraitée par son époux, et elle a eu la force pour rédiger un livre là-dessus. Nous l'attendons, nous allons la chercher. Bonjour Madame Bénédicte Ngongo. Bonjour Monsieur. Bienvenue à Berlin. Merci beaucoup. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Oui. Et vous vivez en Allemagne. Oui, je vis en Allemagne. Vous êtes aujourd'hui à Berlin pour nous présenter un livre que vous avez écrit. Oui, c'est ça. Et puis c'est un ouvrage de près de 300 pages qui raconte en quelque sorte votre vie. Tout à fait. Vos intimités, vos expériences et tout ce que vous avez depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Ouais. Et le livre s'intitule « J'ai retrouvé mes ailes en moi ». Oui, c'est ça. Ah oui. Et c'est un livre qui a plein d'émotions. Alors, expliquez aux téléspectateurs et aux internautes le contenu de votre livre, pas entièrement, en grosso modo, ce qui vous a poussé à le faire et voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les âmes sensibles, il faut faire attention. Parce qu'il y a des histoires qui vont faire mal. Voilà. Essayez de raconter aux téléspectateurs pourquoi vous avez écrit ce livre. Merci beaucoup. Je suis dans la joie de me retrouver ici pour pouvoir parler de ce parcours. C'est vrai que je ne saurais pas raconter toute l'histoire dans ces quelques minutes que j'ai. Mais ce livre, on peut le trouver chez Amazon. Ou soit au numéro qui passe sur l'écran. Là, c'est mon numéro. Vous pouvez faire la commande. Je suis joignable sur WhatsApp. Ou soit vous me cherchez sur Messenger, sur Facebook. Là, vous pouvez aussi m'atteindre. Faites la commande. Je vous enverrai le livre.